J'aime le son du cor le soir au fond des bois. Soit qu'il chante les pleurs de la biche aux abois ou l'adieu du chasseur que l'écho faible accueille et que le vent du nord porte de feuille en feuille. Que de fois, seul dans l'ombre, à minuit demeuré, j'ai souri de l'entendre et plus souvent pleuré. Car je croyais ouïr de ces bruits prophétiques qui précédaient la mort des paladins antiques. Ô montagne d'azur, ô pays adoré, roc de la Frasona, cirque du Marboré, cascade qui tombait des neiges entraînées, source, gave, ruisseau, torrent des Pyrénées, mon jeu les effleurit, trône des deux saisons, dont le front est de glace et le pied de gazon. C'est là qu'il faut s'asseoir. C'est là qu'il faut entendre les airs lointains d'un corps mélancolique et tendre. L'ensemble des concours d'instruments à vent a été fort distingué. Mais les meilleurs résultats ont été obtenus par la classe de basson, de cor et de trombone. Dans la classe de cor, c'est moins la distinction personnelle des élèves que l'excellence de l'enseignement qui a été remarquée. Monsieur Depré continue, à Gand, les traditions de son maître Monsieur Toussaint Radou et y fonde une école qui n'est pas loin de rivaliser avec l'école mère. Thank you.
L'art, après avoir traversé ces dernières années une période d'évolution, s'affirme maintenant d'une façon précise par la communauté des tendances. Issu d'un besoin intense de réaction, l'art nouveau prend historiquement date à l'apparition du drame wagnérien. De la musique et du théâtre, il passe à la littérature, puis à la peinture et la sculpture, pour atteindre l'architecture elle-même, bien qu'en des réalisations purement idéales, que je sache. Symboliste, instrumentiste, décadent, néo-impressionniste, mystique, néo-byzantin et les autres. Autant de groupes qui semblent se diriger dans des sens divers. Tous progressent cependant dans une voie unique, s'avancent de front par la brèche entrouverte. Ainsi, l'art rejeté ses lisières, a rompu les entraves dont on l'avait chargé. Il n'admet plus d'autres règles que celles que l'auteur puise dans ses sentiments. Il ne reconnaît pas celle établie a priori ou résultant de la froide analyse d'œuvres antérieures, imposées comme modèle. Il se soustrait à la férule des rhétoriciens. L'art est libre désormais. Thank you.
Le corps s'attache à traduire non seulement de vagues aspirations, mais des états déterminés de l'âme. Il a pour domaine les sentiments et les situations où l'imagination intervient d'une manière active. Espoir en l'avenir, rappel du passé. Réminiscence de paroles, émouvantes prononcées dans un moment solennel. Souvenir de l'objet aimé, appel à un être inconnu et mystérieux. Attente inquiète du bien-aimé. Partout ici, le corps est conçu comme une voix toute idéale qui se fait entendre à travers le temps et l'espace. Thank you.
Comme le corps, la flûte a un caractère poétique très marqué. Témoin l'un des chefs d'œuvre dramatiques de Mozart, où elle symbolise le pouvoir surhumain des sons. L'instrument aime à traduire les voix de la nature qui réveillent des idées riantes et gracieuses. Le gazouillement des oiseaux, les soupirs de la brise, tout ce qui est naïf et idyllique. Tout ce qui, dans le monde extérieur, est supposé sympathiser avec l'être humain. La flûte magique de Tamino dompte les forces brutes de la création. L'eau et le feu. Ça soulève quand Hélène plane avec sérénité au-dessus des cuivres dont elle refraine la violence. Le cor est un instrument essentiellement poétique comme la harpe et la flûte, mais sa poésie est plus intime, plus romantique. Il n'affecte pas le sentiment à la manière des instruments à hanches, en reproduisant directement le cri de la passion modulée par l'organe humain. Les impressions qu'il procure naissent surtout d'associations d'idées. Aucun instrument peut-être n'agit aussi puissamment sur la fantaisie de l'auditeur. Les sons du cor transportent l'esprit au loin, dans les libres espaces, au sein des vastes forêts, sous l'ombrage des chênes séculaires ou dans les pays charmants du rêve et de la féerie, au bord des claires fontaines où l'on entend par les belles nuits d'été résonner les notes mystérieuses du cor d'Obéron. Thank you.
En créant cet instrument, M. Adolphe Sax a enrichi l'orchestre d'une voix nouvelle et douce de son expression propre. Voix riche et pénétrante, dont le timbre, un peu voilé, tient à la fois du violoncelle, du cor anglais et de la clarinette, mais avec une sonorité plus intense. Grâce à l'homogénéité remarquable de ce timbre dans les diverses régions sonores et à des procédés de facture et de mécanismes ingénieusement perfectionnés, le célèbre facteur belge a pu construire des saxophones à toutes les dimensions possibles et créer une famille d'instruments plus complète, plus régulière qu'aucune autre. Thank you.
L'artiste digne de ce nom n'est plus, croyons-nous, ce qu'il était autrefois. Il ne suffit plus aujourd'hui, pour pouvoir se parer de ce nom, d'avoir une habileté mécanique et des qualités d'un ordre purement matériel. Nous voulons que le sens artistique soit éclairé et conduit par la science. Nous voulons que celui qui manie le plus sublime de langage soit un homme instruit, capable de contribuer à la mission civilisatrice de l'art et que son attitude dans la société est digne du rôle qui lui est réservé d'y remplir. Nous voulons, en un mot, que le virtuose qu'on admire soit en même temps un homme qui se respecte et que l'on respecte.